Bonjour, on est vendredi 1er juillet. Je vais essayer de faire un vlog quotidien en juillet. Je ne promets rien. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir sur la durée. Là, j'ai du réseau, enfin pas du réseau, du Wi-Fi pour publier. Mais à partir de mercredi, j'aurai pas forcément de box. Donc ça sera pas. Enfin, ça mettra plus de temps. Donc je publierai forcément le lendemain de ce que je filme. Si je parle trop lentement, vous pouvez accélérer sur YouTube. Il y a je sais pas comment ça s'appelle, une petite roue en haut à droite, en tout cas sur téléphone, sur ordinateur, je ne sais pas où c'est. Et vous avez vitesse de lecture. Et vous pouvez accélérer. Moi, je regarde les vidéos en accéléré. Je ne peux pas parler en accéléré. Mais je regarde les vidéos en 1,5 ou 2, suivant la vitesse à laquelle parlent les gens. Je sais que je parle lentement et que je cherche mes mots. Donc, vous pouvez accélérer. Là, il est 9h30. J'ai fait mes routines. Je fais à manger. J'ai du pain. Qui est en train de. La pâte à pain, je la fais la veille. Soit au levain. Enfin, ouais. Soit avec un reste de pâte du pain d'avant. Soit avec de la levure en petite boule. C'est en conserve. C'est la marque Saf. En conserve. 500 grammes, 250 ou 125, suivant ce qu'on trouve dans les magasins. Donc là, je mets dans la cocotte. Soit j'enfourne direct à four froid, soit j'attends un peu que ça lève. Donc là, j'attends un peu. En plus, le four est un peu chaud, donc je préfère attendre. Je fais les gâteaux et j'enfournerai les deux en même temps. Les gâteaux du goûter, c'est les shortbread, c'est la recette facile 1, 2, 3. J'ai plus d'emporte-pièce puisque c'est dans les cartons. 1, 2, 3, ça veut dire 100 g de sucre, 200 g de margarine ou beurre et 300 g de farine. Là, j'avais des trucs qui restaient, j'avais de l'amande et des flocons d'avoine, enfin un mélange de muesli. Donc j'ai mixé amande et les flocons et j'ai complété avec la farine pour que ça fasse assez. Et j'avais pas assez de margarine donc j'ai rajouté de l'eau. Voilà. On en adapte. Et les gens qui disent que la pâtisserie ça doit être exact, c'est faux. Voilà. Qu'est-ce que. Donc on est vendredi, je déménage. Mercredi. Moi, je déménage avec les enfants mercredi, donc je pars avec la voiture. Et juste les derniers cartons, enfin les trucs dont j'ai vraiment besoin. Mon mari récupère un camion vendredi soir, donc dans pile une semaine. Il charge avec ses copains le vendredi soir et le samedi matin très tôt, il part avec deux copains, il nous pose tous les meubles, ils ont 2 heures en fait, ils vont arriver à 10h et repartir à midi. Parce qu'il doit rendre le camion le vendredi à 17h30. Et il y a... alors moi je prends pas l'autoroute, donc moi je mets 5h, enfin je mets 4h30 si je m'arrête pas. Eux ils vont prendre l'autoroute, donc... Ils vont aller plus vite, mais en même temps, ils ont un 30 mètres cubes, donc je sais pas s'ils vont aller vite. Et après, mon mari revient ici. Normalement, il reprend un autre camion. Il revient après avec un autre pote. Suivant ce qui restera, combien il restera de matériel à prendre. Normalement, il devrait me laisser la voiture, mais peut-être qu'il repartira avec. Donc, tout est... ça change tout le temps, en fait. Donc pour l'instant, j'en sais pas trop plus. Il est suspendu, donc là il ne travaille plus et il n'a plus de salaire. Enfin, il aura pas de salaire.
il a eu le salaire de juin, mais il n'en aura pas en juillet. Ce qui tombe très bien, puisque comme ça, il peut faire le déménagement tranquille. Parce que sinon c'était galère. Moi, j'étais avec la voiture, ça veut dire que lui, il n'en avait pas, il n'y a pas de bus en été. Donc, il n'avait que son vélo électrique. En sachant qu'il peut... Enfin, il peut pas laisser... Il peut laisser son vélo nulle part parce qu'il a peur de se le faire voler. Voilà, donc c'était galère. C'est bien mieux comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avance sur les derniers cartons. Là, toute la maison est en carton. Tout ce qui n'était pas... hyper utile. Donc je vais commencer à mettre en carton vraiment la fin. notamment ma fille, elle a encore pas mal de choses que... Enfin, qu'elle rouvre des cartons parce qu'elle a oublié qu'elle avait encore besoin de ça et ça. Donc là, ça va être les trucs que je vais vraiment emmener. Et puis je vais commencer le nettoyage à fond. Parce que du coup, mardi matin, je vais faire de la cuisine pour avoir des gâteaux pour la semaine. Et puis l'après-midi, on fait une rencontre. Et puis on part mercredi matin. Donc il me reste aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi. Dimanche, on va descendre ou lundi. On va descendre tous les meubles qui restent plus rien en haut, enfin juste les matelas qu'on descendra le dernier jour, qui reste aucun meuble en haut. Comme ça, le déménagement va plus vite, ils auront juste à prendre les trucs et à les mettre dans le camion. Voilà, après en niveau créatif, je suis sur une guirlande. Pour décorer mon stand. Alors en fait, le jour où j'arrive, mercredi, je vais tout de suite installer mon stand à l'agence postale de la commune d'à côté. Donc il faut que ce soit un petit peu décoré en plus de ce que je vends. Donc je suis en train de faire une guirlande au crochet. J'ai pas fait la broderie de mercredi, le sale. Donc il faut que je fasse ça. Et voilà. Et puis je vais commencer le bonhomme de neige du mois. En couture, je voulais faire d'autres choses, mais là, j'y arriverai pas. Il faut que je vais faire des emballages avec du papier de récup. Il me reste à faire quelques affiches et à les envoyer à ma mère pour qu'elle les imprime parce que notre imprimante ne marche plus. Ma mère, là, elle est en train de nettoyer ma maison. Elle m'envoie des messages au fur et à mesure. Elle passe arroser les tomates quand il y a besoin. Enfin, les tomates et les courges. Là, ils ont eu de l'orage, donc c'est bon. Elle passe, suivant s'il fait beau ou pas, elle s'en occupe. Voilà. À midi, donc ça c'est le goûter. À midi, c'est sarrasin. Haricots verts et beignets de crevettes. J'ai décongelé toutes les crevettes qui restaient. Et ce soir, je sais pas. Suivant s'il y a des restes ou pas. Si vous êtes intéressé par un nouveau départ Fly Lady, c'est une méthode d'organisation. C'est pas une méthode de ménage, mais vraiment d'organisation pour toute la vie. Enfin, la vie... en général, alors à la base, il y a un forum qui s'appelle Flying Francophone. ensuite, on a créé il y a un groupe Facebook, puisque les forums n'étaient plus à la mode, donc il y a plus de monde sur le groupe Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui participent, hein, parce qu'il y a... ça fait quoi? Ça fait 4800 personnes et en fait il y en a 10 qui participent quoi. Donc il y aura un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est pour expliquer la méthode et la mettre en place. Ça sera en septembre. En septembre, il y aura une fiche par jour pour mettre en place la méthode.
Mais on commence en avant, parce qu'il faut quand même désencombrer avant de mettre la méthode en place. Donc, comme l'été, il y en a qui sont là en juillet, il y en a qui sont en août. Donc, c'est moi qui vais mariner le nouveau départ. Mais on commence dès juillet le désencombrement. En août, on fait le désencombrement plus on fait briller l'évier. J'expliquerai à ce moment-là pourquoi et comment. Et en septembre, en plus de ça, on fait une fiche par jour. Donc j'ai ouvert, si vous êtes... Alors soit vous êtes sur le groupe Facebook, donc c'est ça. Soit vous êtes sur le forum. Hop, il faut se connecter tous les mois. Donc c'est flyingfrancophone.forumactif.org. Pour l'instant, le nouveau départ n'est pas ouvert. Donc pour l'instant, c'est que comment? Sur Facebook. Dès que l'administratrice ouvre sur le forum, on pourra aussi. Donc ça sera. En fait, il faudra aller dans groupe et il y aura un comme ça nouveau départ coaché et ça sera marqué septembre 2022. Donc il faudra demander à entrer sur le groupe. Voilà. Maintenant on est dans des 10 personnes alors qu'avant on était à une centaine quoi. On verra cette année si ça marche mieux. Voilà. Donc là, moi, j'ai désencombré, j'ai fait mes 15 minutes. Comme je fais les cartons, bah forcément, j'ai pas trop de choses à désencombrer puisque c'est déjà fait. Donc j'ai fait du virtuel. Donc Facebook, Instagram et les mails. Donc là, je suis dans la salle d'activité. Il reste ça comme carton parce que le reste est descendu. Là, là, c'est mes trucs de point de croix que je dois mettre en carton. En dessous, il reste quelques trucs. C'est le bordel. L'ordinateur de mon fils, il est par terre. Ça, c'est les livres pour l'année prochaine. Voilà. Il y a encore. Ça, c'est les feuilles qu'elles utilisent pour le dessin. Donc, je peux pas les virer parce qu'elles dessinent tout le temps. Là, c'est leurs livres. Elles ont chacune leur place. Donc, elles ont chacune leur livre en cours. Et puis ça, c'est les jeux de mon fils. Là-bas, c'est les livres de la bibliothèque qui sont normalement en tas ici. Ça, c'est le carton d'IEF qui n'est pas encore fermé. Et ça, c'est le carton de jeu des petits qui ira dans leur chambre. Donc c'est pareil, c'est pas fermé. Ça, c'est le tas de vêtements qu'on vient de recevoir, qu'on a reçu hier. Donc que j'ai trié et qu'il faut que je range dans les cartons. Et voilà. Haricots verts surgelés. Millet et sarrasin et beignets de crevettes et de courgettes parce que j'en ai deux qui ne mangent pas de crevettes mais qui mangent des courgettes donc rondelles de courgettes et les crevettes je laisse juste la queue la pâte c'est farine et kéfir et bicarbonate. Moi, j'utilise de la farine d'épeautre non hybridée, mais ça marche avec du blé. Le kéfir, ça peut être remplacé par de l'eau ou par de la bière, de la limonade. Les trucs qui font des bulles et qui sont acides, ça permet de gonfler plus. Alors, à la fin du repas, j'avais fait 300 grammes de mélange, il en reste beaucoup plus de la moitié. Je crois que c'était 600 grammes de haricots. Il reste ça et il reste ça. Lui, il n'a pas fini, il est en train de faire son château. Mon mari n'a pas encore mangé, je ne sais pas s'il mangera, donc j'ai rien à faire pour ce soir.
Je suis en train de faire les emballages de pour mes ventes. Alors, j'ai pas à préciser pour ceux qui n'ont pas suivi ailleurs. Je sais plus si je l'ai dit. Si, j'ai dû le dire en fait. Aujourd'hui. Donc, je fais une vente. Non, mais attends. Je fais une vente qui commence mercredi. Enfin, ça commence jeudi. Mais il faut que mercredi, en arrivant, je pose. J'installe mes ventes. Donc, je fais des emballages d'avance. Donc, là, j'avais un rectangle. Alors, peu importe le format, celui-là, ça va faire un format comme ça. Et j'ai fait plus petit, j'ai fait un format comme ça. Donc, c'est des papiers. Tiens, prends les papiers et mets les devant ta tête pour montrer comment ils sont. Pas tous. Hein. Approche-toi. Voilà, c'est des papiers qui sortent des boîtes de la fourche. Oui, c'est bon. Donc je repasse. Alors c'est pas parfait. Hein. Je plie donc pas au milieu. Il ne faut pas que la pliure soit au milieu, sinon on ne pourra pas faire le pliage après. Là j'utilise de la colle industrielle, mais le but c'est de mettre. De faire style béchamel, enfin un farine eau. On met de la farine et de l'eau dans une casserole et on chauffe en mélangeant et ça fait une. Alors il y a des proportions, ça fait une colle. Donc le but c'est d'utiliser ça, mais là j'ai pas de farine de base quoi. Donc je vais pas mettre de la farine d'épeautre non hybridée à 3€ le kilo. Donc ici je fais un pli là pour bien avoir la moitié. Ensuite je plie ici. Là je ne repasse pas parce que c'est des plis temporaires. Une fois que c'est plié, je replie ici pareil. C'est temporaire. Donc là je fais juste comme ça. Et ensuite je vais ouvrir. C'est pas très facile de montrer. Il y a papa qui est arrivé. J'ouvre comme ça. Aïe. Là, je repasse parce que là, c'est le pli définitif. Alors moi, c'est sur le truc là, c'est laine. Non, je sais pas. Non, c'est une bobine, enfin une pelote, je sais pas ce que c'est. C'est plus chaud que 2 points. C'est entre 2 et 3 points. Quoi. Et ensuite, je replie ça et ça. Comme ça. Ça, je repasse puisque c'est définitif. Je mets un coup de colle ici. Et je plie et mon emballage est prêt. Donc la postière à l'agence, elle aura juste. En fait, je vais mettre un autocollant ou un morceau de scotch au coin là pour que ça tienne bien. Elle aura juste à ouvrir et à mettre dedans ou ne pas ouvrir. Si c'est un truc plat, en fait, elle fera comme elle voudra. Et après, elle pourra replier et j'ai fait faire des autocollants avec ma marque dessus. Donc elle collera mon autocollant là, au moment de fermer. C'est super rapide à faire. J'ai juste ce que je vous ai montré comme pliage en fait. Il a fallu que je réfléchisse et du coup les premiers étaient moins bien faits. Et là sur le dernier... Non, c'est pas... C'est celui-là. En fait, mon mari vient de ramener un sac en papier parce que j'avais fait une commande à Bureau Vallée. Et en fait, ça chevauchait. Et du coup, j'ai fait pareil. C'est peut-être mieux et ça tiendra mieux, je pense, comme ça. Donc, je ferai les autres comme ça. Je sais pas du tout combien il faut que j'en fasse. Dans un morceau de papier qui est comme ça, j'en fais deux petits.
Et les grands, je fais ça dans un grand papier comme ça. Et là, il me reste un grand. Donc, je peux faire encore quatre grands. Et là, tout ça, il y a je sais pas combien de petits que je peux faire. Donc, la chambre, c'est aussi le bazar. Ça, c'est les tissus que je coupe. Mon pull est par terre. Ça, c'est le truc de la machine à coudre. La machine à coudre. Puisque je l'ai ressortie, elle était scotchée et tout. Ça, c'est les livres de la bibliothèque. On en lit un par soir avec mon fils. Ça, c'est. J'ai pas fini de faire celui-là. Des sacs. Des sacs. Hop. Ça, c'est les cotons si je crochète. Ça, c'est les livres de la bibliothèque que moi je dois lire. On doit les rendre vendredi. Et voilà, mon planning, ma tasse, la. Comment on dit? Machin, un truc, température. Thermo, je sais même plus. Ça, c'est les trucs que j'ai à vendre et qui sont pas encore partis. Et voilà. Et ça, c'est les trucs que je dois envoyer. Symptothermie. Et ça, c'est les vêtements qu'on a récupérés. L'autre partie, c'est ce que mes filles gardent. Et ça, c'est ce que ma petite veut, mais c'est trop grand pour elle, donc il faut que je le transforme. Un dessin de mon fils. Voilà. Donc voilà, c'est le bazar aussi. Il y a encore. De toute façon, quand je couds, voilà, j'ai mon truc par terre. Je suis bordélique et c'est pas grave.